Thank you.
c'est beau. Vous êtes tous beaux et belles. La plus belle, c'est, oh, je crois que c'est toi. Avance! Retire, ça suit! Vas-y, c'est bon! Bouge la manette! Oui, mais il est mou, hein! Oh, il est mou, ouais! Ouais, ouais! Reste dans mes bras, j'ai chaud! Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va! Marcel, tu veux monter? Marcel, tu veux monter? Bon, Marcel! Je suis pas leste, moi! Oui. Papa va m'assister. Hein. Tu peux pas, tu rentrerais pas, t'es trop gros. Sur Facebook, je peux voir de temps en temps. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Je veux pas que tu fasses un peu. Ah. Confirme. Voilà. Il y a les rubans sur un tracteur. On en a eu, on a eu compte. Hein. Allez, on va voir le griou là. Ah oui, oui. Hein, là-bas. Allez Serge, fais dire. T'as soif Serge? Il a soif Serge. Hop là. C'est bien, c'est une croix, ça fait comme une pendule. Hein. Ah oui. Ça. Voilà. Et si les maris voulaient se venger, c'était vraiment le moment. Hein. Vous changez de femme, exactement. Donc, vous allez voir quand le truc s'engère, effectivement, sur la toile qui est au sol, il va y avoir un grain de blé. Regardez un peu comme c'est dangereux pour ces dames. Elles ont vraiment confiance en leurs hommes, sinon elles ne sont pas là. Ils sont courageux, hein. Ils battent vraiment les pins pour faire tomber les grains. Courage Eliane, courage. C'est au dernier coup qu'ils vont pas te rater. Allez, stop. Elle a peur.
Thank you.
Bravo. Ah, il est ouvert là, vous pouvez bien. C'est qui là? Le passage au fléau, il a un peu disparu dans les années 1900, hein, ça date d'avant la guerre de 1914. Après, il a commencé à avoir le machinisme et les premières batteuses mécaniques. Et avant qu'arrive l'électricité, bien entendu, et il est arrivé les machines à vapeur que vous avez vues tout à l'heure travailler et courberer dans un petit moment. Donc là, on est dans l'évolution de ce travail en un siècle. Le monde a changé, mais radicalement. Donc on va vous montrer le battage au fléau, la récupération de la graine. Et la graine était séparée de l'enveloppe et des épis avec un vent. Aujourd'hui, tout ça, vous savez comment ça marche, c'est des machines automatiques. On rentre le blé et on sort la graine triée. Donc on va tout simplement vous montrer les procédés de 1850-1890 jusqu'en 1914. Voici un vent. C'est-à-dire, on faisait. On voit encore en Afrique d'ailleurs régulièrement. Hein. On profite du vent, et il y a un peu d'air aujourd'hui, pour faire une démonstration. Ça sert, je nous ferai cela. On a aussi les liens. Les liens, là, c'est des liens en ficelle, donc de moissonneuse-limeuse. Anciennement, on avait bien entendu les liens de paille de seigle, en général. Nous, on avait des liens de roseaux d'étang, c'est-à-dire des lèches, qu'on appelle ça chez nous, qui sont faits avec de l'herbe. Et puis, de l'autre côté, il est arrivé dans les années 50 des liens en saule. Et ensuite, bien entendu, on voit le modernisme en place, on a fait les liens en corde. Et tout ça a été remplacé par une machine qui faisait tout d'un seul coup. La première révolution, ça a été la faucheuse, après la faux, bien entendu. Après, ça a été la moissonneuse, la javeleuse. Après, la moissonneuse lieuse. Après, la moissonneuse lieuse batteuse. Et puis, maintenant, vous voyez ces monstres qui se trimballent dans les campagnes, qui font le travail de deux ou trois familles anciennement, quoi. C'est-à-dire, on est passé de la faux à la main avec derrière chaque faucheur 5 ou 6 personnes derrière chaque faucheur. Après, on est passé à la faucheuse qui, elle, avait besoin de 3 personnes. Et puis après, la javeleuse qui avait plus besoin que d'une. Et puis après, la moissonneuse, lieuse, batteuse et autres qui n'ont plus besoin que d'un chauffeur. Ça explique un peu quand même toute l'évolution de notre monde et la manière dont ça se passe. Heureusement, il y a des autres métiers qui sont nés pour en remplacer beaucoup. Donc, voici une démonstration de battage. On peut l'applaudir bien fort, Monsieur Pierre Vallard. C'est vraiment une mine d'informations. Il est riche de plein de connaissances. Et justement, à Brebotte, dans ce petit village de territoire Belfort, ils ont reconstitué un musée dans lequel vous pouvez voir l'évolution et notamment vous pouvez voir différents métiers anciens et plein d'outils ont été conservés. Ils ont fait un collectage formidable. Nous avons eu la chance de visiter ce musée au mois de juillet. Donc si vous avez vraiment l'occasion d'aller de ce côté-là de la France, n'hésitez pas à visiter ce beau musée. Maintenant, je vous laisse en compagnie des rustos qui vont vous faire une belle démonstration de moisson à l'ancienne.
On peut les applaudir, s'il vous plaît. Beaucoup de risques, mais elles avaient confiance en leur mari. Il ne fallait pas qu'une dispute ait eu lieu la veille, parce que les maris pouvaient évidemment se venger. Vous allez voir pourquoi. Serge, en fait, il va... Voilà, c'est ce que m'expliquait l'un des batteurs. En fait, les femmes ne sont pas exposées tout de suite. Elles ont retourné une première fois les gerbes, de manière à ce que chacune soit battue de l'autre côté. Et c'est ensuite qu'elles prenaient un petit peu plus de risques. On pense à nos grand-mères et à nos arrière-grand-mères. Arrière-arrière-grand-mères. Le prêtre ce matin dans son homélie, le prêtre Rietor, nous parlait du ré, parce que l'idée c'était de ne pas perdre de temps. Bravo messieurs, on peut les applaudir, le casse-croûte arrive. Alors justement, hein, cette technique de la moisson avec les fléaux, c'est terminé aux alentours des années 1920, hein, puisqu'ensuite le matériel s'est modernisé et donc ça a facilité le travail de l'homme. Donc vous voyez qu'ils boivent un petit coup, hein, c'était bien mérité, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Le saucisson, la miche de pain, le petit litre de vin. Et malgré tout, nos anciens n'étaient pas si gros que ça. Il n'y avait pas de problème d'obésité parce qu'évidemment, ils avaient une activité physique relativement importante. Donc, ils pouvaient se permettre d'emmagasiner des calories. Le problème de notre société actuelle, c'est que nous mangeons beaucoup, mais l'activité physique n'est pas aussi importante que ce qu'elle était à l'époque. D'où ces problèmes d'obésité que rencontre notre société. À l'époque de nos anciens, hein, aux alentours de 1914-1920, évidemment, ils brûlaient les calories. Hein. Évidemment, sur le drap qui est au sol, elle libère justement le drap de ses tiges de blé et ils vont ensuite pouvoir éventer, si on peut dire ça, le grain qui est également mélangé à la poussière et à l'enveloppe de la graine. Alors le blé qui est travaillé aujourd'hui ne vient pas du territoire de Belfort. Hein. Dans le bus, il n'avait pas la place. Donc c'est l'équipe d'animation de Badaillac ici qui s'est chargée justement de récupérer ces gerbes
de plus. Si le parade tombait le plus petit, c'est de bonne qualité. Et ici, à l'arrière de la machine, dans un paillasson, une espèce de panier en osier, tombait le bon grain. Voilà, ça s'appelle une baillette. Merci Eliane. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est évidemment l'épouse de Pierre, maire de Brebeuf, mais c'est avant toute chose la présidente du groupe des Rustos. Donc applaudissez-la bien fort. Alors comme me dit ici une membre des Rustos, mais je vais lui laisser dire elle-même. Oui, oui, ben, je dirais c'est Eliane qui nous entraîne tous les mercredis à Brebeuf. Elle a son cahier, tout est prêt. On est en retard, elle nous rappelle à l'ordre, ça discute, elle nous reprend, on continue. Puis de temps en temps, ça se termine par un petit repas sympathique, des petits gâteaux, mais c'est bien. Mais on est avec elle. Hein. Ah non. Un pied de poussière. Tapez dans les mains. La 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 tout en pied. Et la gauche. Thank you.
jamais vu, danser sans jamais vu. C'est le train des rites. Ça n'est pas ça. Allez, tout sans jamais vous tromper. Ça n'est pas. Danser le train des rites. Ça n'est pas. Danser sans jamais vous tromper. Ça n'est pas. Danser le train des rites. Ça n'est pas. Vous trompez, savez-vous danser le train des rites, savez-vous sans jamais vous tromper. Vous faites trouver ça. C'est le premier à vous donner. Sans jamais vous tromper, à vérité. Arrête, il faut aller faire un stage chez les Rustos, hein. Oui.